Bonjour et bienvenue à tous pour ce moment café ensemble. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais regarder tout simplement les énergies, ce qui se passe, que devons-nous savoir? Qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre? Donc, tout de suite, un petit message. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait toujours plaisir. Voilà, et ça permet de maintenir la chaîne. Super. Allez. Quel est le message pour cette petite pause café? N'hésitez pas de mettre en photo votre petite tasse. Alors, thé ou café, hein, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous buvez ce que vous voulez, en fait. Voilà. En tout cas, on y va pour la petite gorgée de café. Voilà, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Allez, message des guides. Alors, on nous parle de l'hiver, période de l'hiver. Quel est le message? La providence, la gratitude. Et le clown. Donc, ici, on va me parler d'une période, effectivement. Alors, il y a l'hiver, ça peut être une période qui dure depuis l'hiver. En tout cas, un sentiment de froid, hein, les choses étaient plutôt figées. Voilà ce que j'entends. Vous avez la providence ici et la gratitude. Donc, on parle effectivement toujours de protection. Hein, il y a eu effectivement cette protection. Ah oui, alors ce qu'on me dit, c'est que si vous avez traversé des moments difficiles, comment dirais-je, plutôt dans une forme de stérilité, de froideur, de rigidité, hein, ce que j'entends, eh bien, c'était pour justement vous protéger. Donc aujourd'hui, on vous encourage à remercier les guides. Remercier la Providence, remercier Dieu, l'univers, la source, voilà, pour ce moment où effectivement vous avez pu rester comme ça dans cette situation figée. Alors ici avec le clown, on vous encourage effectivement à, comment dirais-je, à reprendre une forme de vitalité, de plaisir, hein, plaisir de la vie. Et puis, je vais quand même mettre une carte sur le clown. Voilà, l'équilibre. Vous êtes vraiment encouragé finalement à être qui vous êtes, tout simplement, d'enlever ces espèces de masques, comment dirais-je, pour... moi, j'entends cette forme de contrôle, voyez, on est toujours en train d'essayer de contrôler les choses, etc. Alors qu'aujourd'hui, on va nous encourager vraiment à mettre de la fluidité dans tout ça. Et de la légèreté. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas l'équilibre. L'instinct et la liberté. Exactement. Les guides nous disent qu'effectivement, plus on va être dans une forme de liberté, hein, de légèreté, ici, vous allez pouvoir développer davantage, forcément, vos instincts, votre clairvoyance, etc., etc. Hein? C'est très important, finalement, d'arrêter de trop mentaliser les choses, puisque lorsque l'on mentalise trop, ça fait partie de l'ego, hein, et pas de l'instinct. Hein? Il faut arriver à différencier ça. L'ego et l'instinct, le mental et l'instinct n'a rien à voir du tout. Hein? Justement, on éteint le mental pour laisser place au ressenti, à l'instinct. Voilà, donc c'est une guidance ici qui nous encourage vraiment. Alors, on a le choix, la jalousie et le lâcher-prise. Donc, nous avons eu effectivement certains blocages, des décisions à prendre, effectivement. Hein. Alors, très certainement à cause de certaines jalousies hein, qui vous ont peut-être quelque part empêché hein, d'avancer, ou alors ça a été un petit peu difficile, hein, le chemin a été un petit peu accidenté. Aujourd'hui, on voit le lâcher prise par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait des personnes qui aient dû se séparer de certaines
amitié, enfin amitié entre guillemets, au niveau du professionnel. Parce qu'effectivement, c'était un petit peu compliqué. Pour d'autres, eh bien, il y a eu des fins de contrat. On peut me parler aussi de deuil, hein. Il y a pu avoir effectivement des décès dans des entreprises. Donc voilà, donc ici c'est pour ça qu'on vous demande d'amener un petit peu de légèreté. Le temps passe vite, la vie passe vite. Donc il est important de vraiment accueillir avec beaucoup plus de souplesse. Ici on voit qu'il y a eu une période difficile au niveau du professionnel. Mais voilà, on voit que de toute façon, parfois, il y a des difficultés, mais c'est pour pouvoir mieux avancer, après, hein. Voilà. L'échec, l'obstacle et le guide. Exactement, hein. Ici, vous avez été mis en obstacle, en échec, par effectivement les guides, la source, etc. Parce qu'effectivement, vous aviez des choses à mettre en place avant. Ici, on vous dit toujours de faire très attention aux personnes qui vous guident, on vous dit de ne pas écouter tout le monde, parce qu'il y a des personnes, bien sûr, qui se trompent forcément. Et du coup, ben, ça fait un chemin accidenté. Alors, on nous parle de l'été, le message et l'enfant. Voyez, ici, donc, après une période d'hiver où c'était compliqué, c'était un petit peu en stagnation, etc. Ici, on voit que l'été, eh bien, il y a du renouveau. On a des messages qui arrivent à vous pour un renouveau. Des messages aussi d'enfants, de vos enfants, d'une personne un petit peu plus jeune que vous. Voilà, hein. En tout cas, tout ce qui est un petit peu, comment dirais-je, dans tout ce qui va être dans la joie et comment dirais-je, et dans la nouveauté. Voilà, et on voit l'abondance ici, hein, l'abondance qui arrive vers vous. Allez, hop, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, voilà, avec cet oracle. Alors, on nous parle d'une femme ici, hein, une femme qui va recevoir effectivement des correspondances afin de voilà de pouvoir repartir sur une nouvelle base, un nouveau départ. Hop. Allez, message pour la capsule pause café. Alors, on nous parle ici d'enfermement. De reconnaissance et de rassemblement. Voyez, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, effectivement, après cette période de stérilité, hein, comment dirais-je, hivernale un petit peu, hein, de froideur, etc., où rien ne poussait, rien n'aboutissait. Ici, on voit que c'était bien et juste. On vous dit d'accueillir ces moments-là, hein, de mettre de la gratitude sur ces moments, justement, de stérilité pour justement pouvoir repartir sur quelque chose de très bien. Ici, avec le monde, eh bien oui, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles énergies, beaucoup plus claires, beaucoup plus pures, hein, entourées de bonnes personnes. Et puis, regardez, avec cette belle carte de la protection ici pour terminer le tirage, eh bien, c'est encore vraiment une guidance de compréhension, hein. Les guides sont vraiment bien avec nous, ils nous encouragent, ils nous transmettent, ils nous expliquent le pourquoi du comment, hein, donc c'est très très bien. Il y a vraiment là avec le médaillon, hein, vous allez être reconnu aussi au niveau de votre professionnel. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, et ça c'est vraiment très très positif, hein. N'oubliez pas que vous avez donc le bouclier ici, hein, et la protection, double protection pour vous, pour cette petite pause café ici. Donc, accueillez ces moments-là et ne restez pas figé sur le passé. Surtout, accueillez les nouvelles et soyez dans la gratitude des nouveaux jours qui arrivent vers vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pause café.